Ici Paris, Radiodiffusion française, voici le journal parlé, édition complète du soir. Le 31 mars 1950, la radiodiffusion donne naissance à une archive. Hier jeudi, peu avant 18h, dans sa maison de Jouy-en-Josas, proche Versailles, où il travailla jusqu'à son dernier jour, le président Léon Blum est mort. Léon Blum est mort d'une crise cardiaque. Il avait 77 ans. Il n'y a que quelques heures que la nouvelle de cette fin brutale, inattendue, s'est répandue à Paris et dans le monde. Et déjà, d'unanimes et innombrables hommages sont apportés à cette grande figure. Une mort inattendue, Blum s'est retiré sur la pointe des pieds. Le président Léon Blum vous parle. Il y a quelque chose qui ne me manquera jamais. C'est la résolution, c'est le courage et c'est la fidélité. À son retour d'Allemagne, en mai 1945, Léon Blum est éreinté. Mais la France semble avoir besoin de lui. La tâche est immense. Restaurer l'esprit de la République, reconstruire le pays, réconcilier les Français et repenser la société. Entre la fin de sa captivité à Buchenwald et sa mort à Jouy-en-Josas le 30 mars 1950, Léon Blum a vécu 5 ans. C'est peu, mais ce fut dense. C'est ce que vous allez découvrir dans cet avant-dernier épisode. Mes chers amis, je vous prie de considérer que la France entière, en ce moment, vous écoute. Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Léon Blum, une vie héroïque. Huitième épisode, le vieux sage en son royaume. L'idée du Front populaire est plus vivace et plus puissante que jamais. Basileon défend ton ministère. Un juif ? Un juif, oui. Pauvre France. À l'automne 1945, après la joie d'avoir retrouvé la France, l'heure est au recueillement pour Léon Blum. Il doit faire le deuil des êtres chers qui ont disparu, à l'image de cette cérémonie du 18 octobre, tout près de Montmartre. Dans ce quartier populaire de Paris, dans ce quartier qui a connu la guerre, dans le 18e arrondissement, au coin de la rue de la Chapelle et du boulevard Barbès, aujourd'hui, M. Le Troquet, président du conseil municipal, accompagné de M. Léon Blum, débaptise la rue de la Chapelle pour lui donner le nom de la rue Max Dormoy. Max Dormoy, compagnon de la SFIO, ami de Blum. Dormoy, ministre de l'Intérieur du Front populaire, ennemi de la cagoule. Alors que lentement, la nuit tombe sur ce quartier de Paris, Monsieur Léon Blum donne l'accolade à Jeanne Dormoy, la sœur de l'ex-ministre de l'Intérieur, assassinée sauvagement en 1941 par les hommes à la solde de la Gestapo. Léon Blum compte ses morts. Marx Dormoy, mais aussi Jean Zay, son jeune ministre de l'Éducation nationale, exécuté par la milice de Vichy en juin 1944. Le peuple français n'oubliera ni ce qu'il était, ni ce qu'il avait accompli si jeune encore, ni ce qu'il a donné, ni ce qu'il a souffert. Ajoutez Jean Lebas, son ministre du Travail, mort en déportation. Léo Lagrange, son ministre des Loisirs, mort au champ d'honneur. Ou encore René Blum, son jeune frère, assassiné à Auschwitz. La France avait-elle donc tant d'hommes à perdre ? Avoir survécu à sa détention au milieu des SS,
offre à Léon Blum une stature que peu d'hommes politiques français ont eue. Au lendemain de la guerre, Léon Blum est évidemment une personnalité politique en France hors du commun. Milo Lévy-Brulle est politiste. C'est un homme dont la longévité politique vient de très loin. Il faut se rappeler qu'il a commencé avec l'affaire Dreyfus, que tout l'entre-deux-guerres, il a été une figure majeure, qu'il a évidemment incarné le Front populaire, c'est-à-dire dans un moment où l'ensemble de l'Europe s'effondrait, s'enfonçait dans le nazisme ou le fascisme, une alternative qui, évidemment, au lendemain de la guerre, apparaît comme quelque chose qui était beaucoup plus réjouissant. Et puis, il a été ce grand adversaire du maréchal Pétain et du régime de Vichy. Donc, il est auréolé d'un prestige immense. Et puis, il y a quelque chose qui le distingue aussi, c'est qu'il refuse de faire de la politique. Il ne veut plus faire de la politique. En tout cas, il ne veut plus faire de la politique directe. Il refuse de se présenter pour être député. Le général de Gaulle lui propose d'intégrer son gouvernement, le gouvernement provisoire, ce qu'il refuse également. Parce que Blum reste sur cette idée que sa génération, en réalité, a failli, ou en tout cas n'a pas été à la hauteur de la vocation historique qu'il attendait, puisque selon lui 1940 a ouvert une situation révolutionnaire et que donc le Parti Socialiste qui dirigeait n'a pas su prendre la place qui aurait dû lui revenir au moment de l'ouverture de cette possibilité révolutionnaire. Et donc il se met en conformité avec ce qu'il écrivait dans À l'échelle humaine, c'est-à-dire qu'il considère que c'est une nouvelle génération, une génération qui a forgé sa moralité et sa pratique de la politique dans la résistance, avec ce que ça impliquait de solidarité, de sens de l'abnégation, etc., que c'est à cette nouvelle génération-là que doit revenir, au lendemain de la libération, la direction de la nation. Léon Blum, dans À l'échelle humaine, 1945. Avons-nous entièrement rempli notre devoir? Avons-nous fait assez pour changer les mentalités, pour améliorer l'être humain, en même temps que nous voulions transformer la société? Non, nous n'avons pas assez insisté sur la progression morale de l'individu. Et demain, le peuple sera-t-il digne de son destin? Chaque homme devra rechercher le juste, le bon, le beau. Chaque homme devra cultiver les vertus qui justifient la primauté humaine, l'intrépidité, la générosité, la droiture et l'abnégation de la personne. Blum se met donc en retrait de la politique, mais il compte bien peser sur la suite. Hier, la France a voté. Le 21 octobre 1945, les Français et les Françaises ont voté. Non, celle-ci, madame, non, celle-ci. Allez, pardon, voilà. La nation a exprimé son souhait d'une nouvelle constitution. Oui, 13, oui, 14. Léon Blum l'entend. Oui, 15. Mais il aspire à restaurer l'héritage de la Troisième République. C'est-à-dire qu'il milite pour un régime parlementaire, messieurs, où le multipartisme serait la règle, avec un pouvoir exécutif contrôlé par les deux chambres, à l'opposé des ambitions du général de Gaulle. D'une nation groupée, libre, sous l'égide d'un État fort. Les deux hommes divergent radicalement sur ce que doit être l'esprit de la 4e République. L'homme du 18 juin veut un exécutif fort. Mais excédé par la fronde des partis, de Gaulle se retire du jeu politique le 20 janvier 1946. Le régime exclusif des partis a reparu. Je le réprouve. Il me faut donc me retirer. Et c'est la vision de Blum qui l'emporte. La constitution de la 4e République, approuvée par le référendum, a été revêtue du sceau de la France. Monsieur Tedjen a donc, au cours d'une cérémonie sans faste, rempli sa tâche de garde des Sceaux en apposant à l'aide d'une machine d'âge canonique, puisqu'elle date de 1848, le sceau de cire aux armes de la République au bas du texte de la Constitution. Et l'acte a été prendre sa place dans cette vitrine où voisinent les diverses constitutions que la France un jour s'est données. La 4e République
est proclamé le 27 octobre 1946. Et dans l'attente que les nouvelles institutions se mettent en place, Léon Blum, haute figure morale, accepte d'assurer l'intérim et il devient le premier président du gouvernement de la 4e République. Le président de l'Assemblée nationale et le nouveau chef du gouvernement de la France se donnent fraternellement la collade. Ça ne durera qu'un mois. Du 16 décembre 1946 au 22 janvier 1947. Mais ce qui fait qu'à la rédaction du journal Le Populaire, là où Blum a repris ses éditoriaux, on s'apprête à passer un Noël un peu spécial. La scène se passe dans la grande salle des fêtes du journal Le Populaire. Il y a là au moins 200 ou 300 enfants, accompagnés de leurs parents. Dans un coin de la salle, des artistes s'amusent à distraire les enfants en jouant une scène du guignol, ce qui plaît toujours aux petits-enfants. Dans le coin opposé de la salle, un magnifique arbre de Noël, tout chargé de jouets, attire les regards et les convoitises de tous ces petits bébés. Les gamins attendent le Père Noël, leurs parents aussi. Mais voici maintenant le Papa Noël des grands qui s'amène. C'est Monsieur le Président Léon Blum, président du gouvernement provisoire de la République française, qui, lui, s'annoncera comme le Papa Noël des adultes. Léon Blum s'approche du Père Noël, des enfants du populaire. Bonjour, citoyen Père Noël. Alors, j'en ai déjà vu un à une réunion d'enfants comme celle-ci. C'était des enfants des écoles de la ville de Paris. Alors, j'ai fait un petit discours au Père Noël. Et je lui ai dit qu'il était bien gentil de s'occuper des enfants, mais que j'espérais qu'il voudrait bien s'occuper aussi des grandes personnes. Tout le monde a besoin de lui et les enfants qui sont là le savent aussi bien que moi. En tout cas, je suis bien heureux de les voir. Je suis bien content de les surprendre dans un moment heureux. Et je veux leur dire à tous toute mon amitié très chaude et très tendre. Et puis, une jeune fille s'avance vers Léon Blum avec un joli bouquet. Quelques fleurs au nom de tous les petits-enfants du populaire. Bonjour, ma fille. Et voilà, une charmante petite fille qui vient d'offrir une gerbe composée de roses et d'œillets rouges. Tiens, donne la gerbe. Voilà, merci. Tu permets que je la donne à ma femme? Oui. Eh bien, c'est ce que je vais faire tout de suite. Et maintenant, un échange est fait. Le président Léon Blum donne la gerbe à Madame Léon Blum. On peut dire qu'il est au sommet du symbolique. L'historien Pascal Horry. Régulièrement, on fait appel à Blum comme symbole. S'il est le dernier président d'un gouvernement provisoire pendant un mois, décembre-janvier 46-47, c'est parce qu'il faut un symbole. Quel rapport entretient ce symbole Blum avec l'autre symbole de la libération qu'est le général de Gaulle? En 1945-46, quelle relation entretiennent ces deux figures de la résistance française? On ne peut pas dire que ces deux hommes se fréquentent beaucoup. Ils appartiennent quand même clairement à deux mondes. Le général de Gaulle, plus tard, dans ses mémoires, brossera fugitivement, c'est pas très important dans son texte, un portrait de Blum qui est un portrait apitoyé, consistant à dire, voilà, bonne volonté, mais le système, ça c'est très gaullien ou gaulliste, hein, le système l'écrasait. Et j'ai eu en face de moi un homme politique qui ne pouvait pas avoir les instruments qui auraient permis le redressement. Mais personne ne les avait aux yeux de Gaulle avant qu'il ne les ait, je dirais, peut-être un peu en 44 et surtout en 58. Quant à Blum, il conserve jusqu'au bout, mais il parlera peu de Gaulle lui-même, mais du RPF, le parti que crée de Gaulle en 1947. Il dira, Blum, que la démocratie doit se défendre symétriquement contre le totalitarisme communiste et l'aventure gaulliste. Hein. Donc cette forme de symétrie qui explique la troisième force, qui explique la convergence entre, disons, le centre-droit et le centre-gauche pendant plusieurs années sous la 4e République, on peut dire que Blum en est un peu le théoricien. Philippe Collin, Léon Blum, une vie héroïque sur France Inter. Le Conseil national de la résistance poursuit dans la liberté retrouvée
l'œuvre qui fut la sienne sous l'occupation allemande. À la Libération, le cap des réformes sociales à mener pour rebâtir le pays est donné par le CNR. Le CNR a des liens jusqu'au plus profond des grandes familles politiques, professionnelles et sociales de notre population française. Le Conseil national de la résistance est à la résurrection française, à la grandeur de la France, ce que le sang est à la vie. Dans sa position de vieux sage de la République, Léon Blum se réjouit de l'application du programme social établi par le CNR. D'ailleurs, le leader socialiste y voit même une filiation directe avec l'esprit du Front populaire. Néanmoins, Léon Blum n'est pas satisfait. Pour quelle raison ? Alors c'est très contradictoire parce qu'aujourd'hui, le programme du CNR, c'est un peu la référence ultime pour la gauche en général. Milo Lévy-Brull. Mais pour Blum, il ne faut pas oublier que le 1945-1944, c'est une situation révolutionnaire. Donc pour lui, le programme du Conseil national de la résistance, c'est très bien, mais ça ne va pas assez loin du tout. Voilà, donc ça paraît un peu contradictoire avec l'histoire telle qu'on la raconte habituellement et puis aussi avec l'image qu'on se fait de Léon Blum. Mais pour Blum, en 1940, la bourgeoisie s'est effondrée. La résistance a montré, c'est un point important, que en fait, les partis prolétariens étaient majoritaires dans le pays, parce que la résistance, c'est aux deux tiers, disons, le Parti communiste et le Parti socialiste. Donc les deux partis marxistes sont absolument majoritaires dans le pays. Et donc pour lui, c'est le moment de la révolution, c'est-à-dire que c'est le moment où il faut aller le plus loin possible dans la socialisation des moyens de production et d'échange, et puis aussi dans un certain nombre de réformes qui visent à démocratiser le régime politique et à tenter à la propriété privée des moyens de production. Cependant, différents facteurs viennent contrarier les aspirations réformistes de Blum. D'abord, la bourgeoisie entrepreneuriale a repris la main et elle veille au grain. Ensuite, très vite, se mettent en place les ferments de la guerre froide. Deux camps se dressent qui se jettent des regards irrités. Sur l'un flotte le marteau et la faucille de l'URSS, sur l'autre, la bannière étoilée des États-Unis. Et les tensions internationales reprennent le dessus. Les communistes français s'alignent sur les ordres de Moscou et la gauche renoue avec ses vieilles querelles. Social traître ! D'autant que Léon Blum a repensé le socialisme à l'aune de la guerre. Il pense que tout a changé. Et désormais, il est favorable à un socialisme humaniste. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que le mot « humanisme » est là pour remplacer le mot « républicain ». Nicolas Rousselier, historien. Bon, c'est une hypothèse, peut-être que tout le monde ne serait pas d'accord avec ça. Mais Léon Blum a vu l'effondrement de cette Troisième République en 1940. Donnons une précision sur cet effondrement. Il a vu le Parlement tout entier s'effondrer, ne pas voter pour le maintien de la République et voter pour une sorte de suicide. Il a vu ses amis socialistes voter en majorité pour l'effondrement, donc le passage à une dictature. Et il a même vu des blumistes, des partisans de Blum, à l'intérieur de la SFIO, de son propre cercle, le lâcher en quelque sorte. Donc il y a probablement chez lui un effondrement complet de ses repères politiques, philosophiques. La République est une bonne chose. Le socialisme est là pour, en France, développer finalement la République dans une République socialiste. Et moi, j'interprète humanisme comme d'abord un passage à l'international aussi, et que la solution viendra de l'Europe, la solution viendra du dépassement de la nation, ce qu'il ne disait pas tellement auparavant, avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc il retrouve peut-être une vieille fibre très honorable du cosmopolitisme, disons du siècle des Lumières. Et humanisme, ça veut dire aussi qu'il y a une modification profonde de la nature même du socialisme. Il n'est plus là pour changer radicalement la condition sociale d'une fraction de la société, une fraction héroïsante qui était la classe ouvrière, mais tout le monde. Donc on embarque tout le monde. Humanisme, ça veut dire qu'on n'est pas finalement socialiste de l'histoire héroïsante du mouvement ouvrier français. On embarque tout le monde. Pourquoi ? Parce que la guerre, les massacres, la destruction
des Juifs, par exemple, y compris dans sa famille, a concerné tout le monde, toutes les classes sociales. Donc quelque part, je dirais, on ne peut plus penser le changement social comme étant finalement compartimenté. C'est comme ça que je l'interprète. Quand on envisage l'immensité de l'œuvre à accomplir, on réprime à peine un mouvement de recul et presque d'effroi. Léon Blum, 1947. Elle paraît surpasser la force des hommes. Elle s'accomplira cependant si le peuple de ce pays l'envisage avec son intelligence et l'aborde avec son courage. S'il est à la fois confiant et patient, s'il reste animé par sa volonté traditionnelle de faire de la France, dans l'ordre de la raison et de la justice, la tête de la colonne humaine. La tête de la colonne humaine. Mais est-ce à dire qu'avec son socialisme humaniste, Léon Blum aurait rompu avec le marxisme? Oui, il rompt avec le marxisme dans cet aspect-là, très concrètement. Il y a des choses trop importantes, trop urgentes, par exemple, refaire une déclaration des droits de l'homme, se débarrasser du nazisme, du fascisme. Il y a des choses trop importantes pour être laissées, finalement, à une vieille démocratie bourgeoise. Et le marxisme a échoué aussi dans cette période 1939-1945. Ce qui est compliqué pour Léon Blum, c'est qu'il ne peut pas le dire de manière frontale. Il ne peut pas dire à ses copains socialistes « Bon, écoutez les gars, maintenant, on abandonne le marxisme », qui était presque quand même identifié au socialisme, pour beaucoup de socialistes en tout cas, et on passe à autre chose. Donc, il continue à utiliser le mot « socialisme ». On voit bien que c'est compliqué, et on devine que ça ne va pas marcher. Parce que probablement que c'est compliqué à comprendre pour des militants socialistes, il y en a encore qui sont là, bien sûr, qui ont fait de la résistance, et qui ont toujours connu le socialiste dans sa version ouvriériste et, disons, marxiste ou marxisante. Donc c'est compliqué de changer une culture, même sous le coup d'un événement comme la Seconde Guerre mondiale. Et c'est, si vous voulez, probablement aussi trop intellectuel. Alors j'aime pas dire ça, j'aime pas employer ce mot de manière péjorative, mais la vie politique repart de plus belle en 1944-1945. Le Parti communiste est plus fort qu'avant. Lui, par contre, il reste complètement ouvriériste et marxiste, plus que jamais. Donc, finalement, le socialisme humaniste, c'est placer le socialisme presque vers le centre-gauche. Et le centre-gauche peut être facilement critiqué par les communistes. On peut dire facilement « vous êtes des sociotraîtres, vous trahissez la cause ». Et finalement, le centre-gauche, il est aussi un peu occupé par les démocrates chrétiens de l'époque, le mouvement républicain populaire, qui est lui aussi sorti de la résistance. Donc, ce socialisme n'a pas trouvé sa place parce que là aussi, les événements vont très vite. Vous ne pouvez pas improviser un parti politique comme ça du jour au lendemain. Et d'ailleurs, de toute façon, Léon Blum s'est même fait battre au sein même d'un congrès socialiste en 1946. Il s'est fait battre par une aile qui d'ailleurs ne rejetait pas Léon Blum en tant que tel, mais ne voulait pas, en tout cas d'un point de vue rhétorique, du point de vue du slogan qu'on met en avant, il ne voulait pas abandonner le mot magique de marxisme, d'horizon révolutionnaire. Le 38e congrès socialiste vient de se terminer hier soir. Le courant de pensée exprimé par Guy Mollet a animé le congrès et l'a parfois traversé de soubresauts. Guy Mollet est au micro. Voulez-vous commencer par me parler de divergences au point de vue doctrinal? Oh, c'est la bien vieille discussion qui, depuis la réalisation de l'unité socialiste, a séparé les défenseurs du socialisme idéaliste ou humaniste et ceux du socialisme scientifique. Il est évidemment impossible, dans les quelques minutes qui me sont imparties, de reprendre tout ce débat. Le socialisme humaniste, c'est Léon Blum. Et le socialisme scientifique, c'est Karl Marx, une idéologie portée par Guy Mollet après-guerre. Ainsi, fin août 1946 à Paris, au 38e congrès de la SFIO, le camarade Guy Mollet triomphe face à la tentative de rénovation portée par le citoyen Daniel Mayer, l'héritier de Léon Blum. Les Blumistes deviennent donc minoritaires.
car les militants socialistes n'ont pas du tout compris que Léon Blum veuille élargir l'idéal de justice sociale à des groupes sociaux qui vont au-delà de la classe ouvrière. Mais est-il vrai pour autant que Léon Blum voulait tendre la main à la bourgeoisie catholique ? Je pense que c'est vrai si on n'oublie pas que le fait majeur pour Léon Blum, c'est que la bourgeoisie s'est effondrée. Le politiste Milo Lévy-Brulle. C'est-à-dire, la bourgeoisie ne dirige plus la nation. Pour lui, c'est un fait et c'est ce qui détermine tout pour lui. C'est-à-dire que maintenant, il peut y avoir des individualités bourgeoises, des gens qui viennent de la bourgeoisie avec le génie propre de la bourgeoisie, avec les qualités propres de la bourgeoisie. On peut les associer au mouvement socialiste, comme lui-même, Blum d'extraction bourgeoise, est venu s'associer à une dynamique prolétarienne. Mais ce qui importe, c'est que ces éléments ne soient pas directifs, que ce qui doit présider désormais à l'édification de la nouvelle société, c'est les normes, les institutions, les grandeurs morales qui émanent du prolétariat. Voilà. Et ça change tout, parce qu'avant-guerre, pour Blum, ce n'était pas le cas. Avant-guerre, on était toujours, selon lui, dans un régime et une organisation économique capitalisto-bourgeoise. Voilà. Mais désormais qu'elle s'est effondrée, cette association, à leur place, la bourgeoisie à sa place, c'est-à-dire une place subordonnée, est possible. Mais les traces de cette révolution que Blum voit, de ses commencements révolutionnaires, ils sont matériels. Par exemple, les nationalisations sans compensation, qui sont liées à des confiscations en représailles à de la collaboration. Bon, nous, on les lit comme des individus qui ont fauté individuellement et du coup, la nation qui récupère le patrimoine capitalistique qu'ils représentaient, telle entreprise, etc. Mais pour Blum, c'est pas du tout ça. Pour Blum, c'est une classe qui a fauté, une classe qui s'est effondrée, et donc c'est de la spoliation. C'est une nouvelle classe qui représente désormais la nation. Et de fait, les gouvernements provisoires de la République sont dominés par des mouvements prolétariens. Les assemblées qui viennent après-guerre sont dominées par des mouvements prolétariens qui s'attribuent des éléments de la propriété privée capitalistique parce que cette classe a fauté. Donc les nationalisations d'après-guerre, pour Blum, elles ont un caractère proprement socialiste et proprement révolutionnaire. Le fait est, pour Blum, que la bourgeoisie s'est effondrée, que la révolution a commencé, qu'il y a eu des mesures qui sont des mesures strictement révolutionnaires. La confiscation de certaines entreprises et leur nationalisation, c'est des mesures qui, dans la tête d'un socialiste, ne pouvaient venir qu'après la révolution. Et donc, on est dans une position totalement inversée à celle de l'entre-deux-guerres. Désormais, c'est les deux partis prolétariens qui sont majoritaires dans le pays et qui, en fait, dirigent le pays. Même si tout ça est enrobé d'une image gaulliste surplombante, la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que dans la matérialité des forces politiques en présence, ce sont les partis prolétariens, les partis marxistes, qui sont dominants. Debout, ma blonde, chantons au vent. Debout, ami. Léon Blum, une vie héroïque. Philippe Collin sur France Inter. Dans la nuit et la pluie qui baignent l'immense aérodrome d'Orly, les phares des avions et des postes de balisage croisent leurs faisceaux lumineux. Le 15 mars 1946, un reporter de la radiodiffusion française patiente sur le tarmac d'Orly. Sur l'une des plateformes de départ, face à l'aérogare, un grand avion quadrimoteur est entouré par de nombreuses personnes, officiels, journalistes et photographes, qui sont venus assister au départ pour les États-Unis de M. Léon Blum, ambassadeur extraordinaire du gouvernement français. Les moteurs sont lancés et l'avion, pivotant tout doucement sur lui-même, roule lentement d'abord, accélère ensuite, et disparaît rapidement dans la nuit. Bon voyage, monsieur Léon Blum, et surtout, bonne chance. Au milieu du champ de bataille politique de l'après-guerre, Léon Blum a accepté une mission cruciale que lui a confiée le gouvernement provisoire. Le grand rêve de Léon Blum, c'était un jour de voir l'Amérique. United States of America. Le pays de Roosevelt, l'homme du New Deal,
mort avant qu'ils puissent se rencontrer. Roosevelt, à qui Léon Blum accordait toute son estime, le jugeant digne de Jaurès. Pour Blum, l'Amérique, c'était la quête de la liberté. Léon Blum débarque donc à Washington pour conclure des négociations entamées par les deux pays. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'apurer les énormes dettes que la France et d'autres pays, le Royaume-Uni, etc., avaient à l'égard des États-Unis. Pascal Horry. C'était abyssal. Il fallait bien trouver une solution. D'autre part, comment est-ce qu'on pouvait relancer conjointement les économies américaines, britanniques aussi, puisqu'il y avait parallèlement négociation d'un accord du même style avec le Royaume-Uni et la France, faire en sorte que ça ne soit pas pour affaiblir une économie au détriment d'une autre. C'était un casse-tête. Et c'est Jean Monnet, et ses conseillers, mais Jean Monnet qui est à la manœuvre, qui réussit à trouver des solutions sans arrêt remises en cause parce que les partis politiques, bien sûr, le Parti communiste en tête, disent pas de concessions aux Américains. Et par ailleurs, vous avez les milieux d'affaires, vous avez les Anglais qui jouent leur propre jeu. Bref. Vous voulez que je vous résume en une minute les résultats de notre négociation ? Bien. Léon Blum, mai 1946. Nous avons liquidé cette question des dettes de guerre dont l'expérience du passé nous avait appris toute la gravité. Nous avons non pas assurer la couverture complète et définitive du plan de reconstruction, mais permis au peuple français de l'entreprendre avec un sentiment légitime de confiance. Nous avons resserré l'amitié de la France et de la République américaine dans un esprit d'intelligence et d'amitié réciproque et avec une foi égale et profonde dans la solidarité nécessaire de tous les peuples. Le 28 mai 1946 sont signés les accords Blum-Burns. Burns, du nom du secrétaire d'État américain. Et les deux hommes se félicitent. Vive la France ! Vive les États-Unis ! C'est un succès. C'est un succès pour Jean Monnet, alias Blum, si j'ose dire, mais qui est payé par une faveur faite à l'industrie du cinéma, à l'industrie du spectacle américaine. Cette faveur est d'ailleurs assez relative, puisqu'elle précise qu'un certain nombre de semaines par an seront réservées à l'exploitation en salle des films français. C'est dans ce sens-là que ça fonctionne. Ça veut dire, sous-entendu, pour les autres semaines, plus nombreuses que celles-là, les films américains qui étaient contingentés depuis 1936 ne le seront plus. Ça, c'est incontestable. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les milieux du cinéma français vont se mobiliser vent debout contre les accords Blum-Burns. Et là, vous avez, pour la seule fois dans l'histoire du cinéma français, une mobilisation qui réunit, j'allais dire, les producteurs à gros cigares et la CGT. Les accords Blum-Burns proposaient donc, entre autres, que les États-Unis épongent les dettes de guerre françaises en échange d'une diffusion des films américains dans les salles hexagonales. Des accords qui ont fait réagir la profession. Spectateurs et amis du cinéma français, vous êtes tranquillement assis dans votre fauteuil, venu au cinéma pour vous distraire, et voici que ma voix, à travers une mince pellicule et un haut-parleur, vient troubler votre quiétude. C'est que, voyez-vous, le cinéma français a besoin de vous, parce qu'il est en danger de mort. Mais ce que l'on oublie de dire, c'est que justement ces manifestations vont obtenir une renégociation de la partie cinéma des accords Blum-Burns. Je maintiens que c'est une partie très minime des accords, dans un sens plus favorable à la France. Donc ça, succès de la mobilisation transclassiste. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette mobilisation est à l'origine de la politique française du cinéma, à l'origine de ce que fera très vite le CNC, qui se met en place à l'époque. S'il y a aujourd'hui encore un cinéma français, alors que beaucoup d'autres pays, prenez le cas de l'Italie, peinent à faire survivre un cinéma national, c'est grâce à la décision qui est prise au sortir de l'affaire Blum-Burns visant à créer un système d'aide systématique au cinéma qui plus tard se déploiera de façon qualitative avec l'avance sur recette, etc. Blum n'est pas à l'origine évidemment de cette réforme, mais il faut nuancer l'image qui a été un peu caricaturée des accords Blum-Burns.
les accords Blum-Burns sonnent comme le dernier coup d'éclat politique de Léon Blum. Il tentera une dernière fois de se présenter devant l'Assemblée nationale en novembre 1947, sur demande de Vincent Auriol, le président de la République. Monsieur Léon Blum. Ce jour-là, après la chute de Ramadier, Léon Blum sollicite les députés pour être investi président du gouvernement. Mais dans son discours de candidature, il renvoie dos à dos les communistes et les gaullistes. Double danger à ses yeux pour la République. La fin de cette histoire nous est racontée par Robert Badinter. Applaudissements dans l'hémicycle. Et puis il est redescendu à son banc. Il a entendu les différents orateurs pour contre. Puis on est passé au vote. Et il n'a pas eu la confiance. Et il a quitté l'hémicycle. Un petit pas voûté, en vaincu. Et je trouve cette image terrible de la République qu'il avait reconstruite et qui le chasse. Après son départ du Palais Bourbon, il restait à Léon Blum 2 ans et demi à vivre. Une vie modeste et paisible auprès de Jeanne, à Jouy-en-Josas, dans une petite maison au sud-ouest de Paris, où s'est rendu Martine Abbat, notre reporter, en compagnie d'Antoine Malamud, l'arrière-petit-fils de Léon Blum. On est à Jouy. Oui, on est à Jouy, on arrive par cette petite rue calme qui est dans un quartier résidentiel. La rue s'appelle maintenant rue Léon Blum, et alors vous arrivez là devant la maison qui est avec son crépi crème comme ça, et puis une partie plus moderne qu'on a fait construire avec diverses aides de mécènes et qui comporte maintenant les bureaux administratifs et puis surtout une salle de réunion et une petite partie musée et qui donne directement sur le parc où on va aller tout à l'heure. Merci. Nous allons vite y revenir dans cette maison fermière baptisée le Clos des Mets. Le Clos des Mets, qui est la propriété de Jeanne, a été pillé par les Allemands. Elle est en très mauvais état. Donc, il commence par habiter au Sénat. L'historienne Dominique Missica. Et puis, en 1946, effectivement, Jeanne retrouve sa maison de Jouy-en-Josas, qui était une sorte de maison de campagne à l'époque. Et le couple s'installe. Et là, Jeanne va jouer le rôle alors de la gardienne du temple. Hein. Elle va protéger Léon Blum. Elle va assurer une vie confortable à Léon Blum convalescent, parce qu'il a été quand même très marqué. La vie au Clos des Mets, c'est une vie tranquille, une vie où Léon Blum retrouve le plaisir de lire, allongé, confortablement installé. Jeanne veille évidemment à la tranquillité de l'homme qu'elle a enfin épousé. On vient rendre visite à Léon Blum comme un sage, ça, c'est très important. Il est une figure très belle, donc très respectée. On vient lui demander son avis. Et Léon Blum est heureux, au fond, d'avoir à ses côtés cette femme qui continue à lui donner envie de vivre. Vous avez employé l'expression « gardienne du temple ». En effet, certains ont reproché à Jeanne Blum d'avoir coupé du monde un peu Léon Blum, de l'avoir extrait de sa vie d'avant, de sa vie de leader, d'homme politique, de penseur de la gauche. Qu'en est-il ? Est-ce qu'elle a vraiment ostracisé, entre guillemets, le leader des Fronts Populaires ? Je crois qu'elle ne l'encourage pas, en tout cas. Je ne sais pas si elle le bloque, mais elle n'encourage pas. Elle lui fait sentir, sans aucun doute, qu'il doit se reposer, qu'il doit penser à lui-même, écouter de la musique, voir sa petite fille. Elle préfère une vie tranquille à une vie faite de réunions politiques où elle n'a pas sa place. C'est évident, elle veut le garder pour lui. Alors, retournons à Jouy-en-Josas, visiter cette maison de Jeanne Blum avec nos deux guides. Delphine Romani, responsable de la maison Léon Blum. Antoine Malamud, arrière-petit-fils de Léon Blum. Le Clos des Mets est une longère, assez basse,
trapu, au volet grenat, avec un toit en tuiles et quelques colombages. Voilà, donc il rentrait par là. Et là, on arrive directement dans la cuisine. Petite cuisine avec un carrelage jaune et blanc. Donc, il restait intact, puisque le souhait de Jeanne Blum, c'était de laisser tout absolument intact pour en faire un musée authentique. Et elle s'est même complètement effacée derrière les traces de Léon Blum. Parce qu'elle voulait toucher à rien. Voilà, pour en faire un lieu vraiment authentique où on sentirait encore toute la présence de Léon. Ayez en tête la modestie de la maison. Léon et Jeanne Blum ont fini leur vie dans une grande simplicité. Ici, c'est la salle à manger ? C'est la salle à manger. Voilà, toute simple aussi. C'est pas grand, en fait. Les pièces sont assez modestes. Alors, les pièces sont modestes, effectivement. Et puis, c'était une ancienne ferme du XVIIIe siècle qui a été réaménagée au début du XXe siècle en maison d'habitation. Mais on voit que c'est pas une maison, effectivement, luxueuse. Hein. C'est très modeste. Comme on peut le voir là, en termes de décoration. Les plafonds sont bas, ce sont des poutres. Là, il y avait une cheminée, j'imagine. Oui, grande cheminée. Ouais. Ils prenaient leur repas ici? Oui, alors ils avaient une cuisinière qui les aidait. Et puis, ils prenaient leur repas ici. Donc, effectivement, c'était tout petit. Au coin du feu. On imagine, oui. La plupart des meubles de Léon Blum ont été dispersés quand son appartement a été occupé et pillé par les Allemands en 1940. Donc il y a des meubles qui ont été récupérés par-ci, par-là. Bon, il y a quelques meubles anciens, mais ce n'est pas non plus d'un luxe effréné. Non. Il se trouve que ce meuble-là est encore garni de toute leur vaisselle du quotidien. Donc c'est ça qui est impressionnant et qui plaît beaucoup aux visiteurs, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils sont partis la veille, quoi. Donc ça rend la maison très vivante. Je vous suis. La véritable richesse de la maison Blum se trouve dans la plus grande pièce, celle où Léon Blum a passé les derniers mois de sa vie. Alors Delphine, alors là on est dans le bureau bibliothèque de Léon Blum, donc la plus grande pièce de la maison. Une très belle pièce avec une grande hauteur sous plafond. C'était une ancienne grange. Donc cet espace énorme, il avait de son bureau une double exposition. Il voyait le jardin juste en face de lui et puis de sa gauche. Donc à l'arrière, on voit sa bibliothèque et il passait énormément de temps à lire et à écrire dans ce bureau. Alors il y a des fauteuils, un canapé, une grande cheminée. Et puis sinon, il n'y a pas grand-chose à part des livres. Voilà, c'est ça, dans la plus grande pièce de Léon Blum, c'est essentiellement des livres. C'est simple. Alors on voit aussi sa canne, puisque Jeanne a aussi pris soin de laisser toutes ses affaires personnelles. Donc sa canne qui reste là, donc c'est des objets qui lui ont appartenu et qui font que ce lieu est vraiment très émouvant. Simple, porté vers les autres, son côté humble aussi. Et ça, on le ressent vraiment dans sa maison. C'est une maison qui est à son image, à l'image de sa personnalité. Quelques traits de caractère de Léon Blum par Jeanne Blum. 1977. Il n'a pas eu le goût de se pencher sur sa personne, de se regarder vivre. Il s'écartait de lui comme on s'éloigne d'une connaissance déjà ancienne. Il ne se racontait jamais. Il accomplissait sans déplaisir les petites tâches. Le loisir le ravissait. Il était construit pour être heureux. Quand on vous écoute raconter les trois vies amoureuses de Léon Blum, on a le sentiment que c'est à l'image de sa vie. C'est-à-dire une quête du bonheur, malgré toutes les vicissitudes de la vie, malgré tous les obstacles, malgré tous les impossibles, Léon Blum croit jusqu'à la fin que le bonheur est possible. C'est cette force tranquille que Léon Blum a en lui qui fait de lui un personnage de roman. Le Blum intime me fascine et me touche parce qu'il a essayé en effet d'être heureux et de donner le bonheur aux autres autour de lui. C'est un homme qui est
foncièrement épris de justice, de liberté, d'égalité. Et ça, c'est quelque chose qui a irradié autour de lui, qui est de l'ordre, en effet, du goût pour le bonheur, du goût du beau, de ce qui est heureux, de ce qui peut nous apporter du réconfort. Le 30 mars 1950, Léon Blum meurt dans les bras de Jeanne Levillier. Alors on l'a transporté, il était dans l'autre côté de la pièce et on l'a transporté ici. Jeanne, qui a confié ses souvenirs à l'historien Jean-Noël Jeannet en 1973. Il n'a presque rien dit. Il est mort tout doucement et il m'a dit simplement, ce n'est rien, n'ayez pas peur pour moi. Ce n'est rien. N'ayez pas peur pour moi. J'insiste. Sachez que Léon Blum est mort pauvre et propriétaire d'aucun bien. C'était son choix. On doit noter que Blum va décéder dans une maison qui n'est pas la sienne, de même qu'il a habité tout au long de sa vie dans des appartements qui n'ont jamais été les siens. Pierre Birnbaum, historien. Et on peut voir dans ce refus de la propriété, finalement, le contraire même de ce dont on l'accuse, puisqu'on voit en lui un homme juif, riche, un capitaliste, détenteur de capitaux éhontés, dominant le pauvre prolétariat du haut de ses appartements luxueux. Blum, là encore, est assez fidèle à son personnage. Il était locataire dans les différents appartements. Il meurt, là encore, dans une maison qui n'est pas la sienne. Je pense qu'il est détaché des formes de la propriété. Il est attaché essentiellement à la culture. Nous arrivons maintenant au dimanche 2 avril 1950. Stéphane Pizzella, une voix bien connue de la radiodiffusion française de l'époque, commente les obsèques nationales de Léon Blum. Une leçon pour les écoles de journalisme. Il est en direct de la place de la Concorde. Chapelle ardente avec le ciel pour voûte. Chapelle ardente avec le ciel pour voûte. Des lampadaires éteints, des lampadaires noirs. Un peu de vent qui souffle comme un orgue en sourdine. Et dans le lointain, la musique de la garde républicaine. Au moment où je vous parle, des chars chargés de fleurs débouchent de la rue Royale et pénètrent sur la place de la Concorde. Devant l'obélisque est installé ce qui pour un instant encore n'est encore qu'un cénotaphe. Une estrade très simple, 16 mètres de long, 8 mètres de large, surmontée d'un catafalque aux trois couleurs. Dans un instant, le cercueil sera dans ce catafalque, dans l'axe carrousel, arc de triomphe. Sur la gauche, la Seine, ce fleuve que Léon Blum a tant aimé, qui coulait au pied de sa maison dans l'île Saint-Louis, et le palais de l'Assemblée, qui avec le populaire fit presque toute sa vie. Les drapeaux officiels flottent, sur le palais Bourbon, sur le ministère de la Marine, dans la rue Cambon, ils ne sont pas à la taille de ce décor, de ce dimanche, ni de cette mort. Et ils paraissent étrangement petits sur cette foule qui débouche et dont le flot tranquille s'apprête à submerger la place aux barrières blanches. Il existe des images filmées de ces funérailles. Elles appartiennent à un monde enfoui dans nos mémoires. Cette France de l'après-guerre que l'on connaît si mal. Un homme est vraiment émouvant, c'est le président Vincent Auriol. Il est contracté, ramassé sur lui-même. On sent qu'il fait de gros efforts pour réprimer son émotion. Vincent Auriol, que Léon Blum appelait mon frère cadet. Je vous assure, ce moment est émouvant. Nous avons devant nous massé la garde du président de la République face à l'endroit où tout à l'heure sera exposé le cercueil de Léon Blum. Les plumets rouges tranchent sous le ciel noir. Les arbres verdoient légèrement et dans le fond, sous le ciel très gris, très bas, l'arc de triomphe, avec, dans le centre de l'arc de triomphe, une légère traînée lumineuse, un rayon de soleil pâle, un rayon de soleil froid, le rayon de soleil de ce dimanche des rameaux, des obsèques de Léon Blum.
Des milliers et des milliers de Français ont défilé devant le cercueil de Léon Blum. Et ce matin vers 11h, dans le hall du populaire, j'ai vu arriver un homme qui boitait, appuyé sur une canne, les cheveux blancs. Il a pris la file comme tout le monde. Il est rentré dans la chapelle ardente. Et une fois arrivé devant le cercueil de Léon Blum, s'est incliné vers un membre du service d'ordre des jeunesses socialistes et a simplement dit « Je suis l'ambassadeur du Canada et je voudrais présenter mes condoléances à des intimes de Léon Blum. » Et tous les socialistes du monde entier ont envoyé leur hommage à Léon Blum. Les fleurs qui sont accumulées dans l'hall du populaire venaient de tous les points du monde, de New York, de Palestine, de Berlin, d'Autriche, d'Italie, d'Espagne. Partout, le monde des travailleurs a ressenti cette perte qu'était celle de Léon Blum. À sa mort, il reçoit des milliers de télégrammes et de lettres. Pierre Birnbaum. Et ce qui me paraît tout à fait extraordinaire, c'est en tout cas celle sur laquelle j'aimerais bien mettre l'accent, ce sont les lettres des réfugiés espagnols. Puisqu'au fond, le grand drame de Blum, encore aujourd'hui, si vous travaillez sur Léon Blum, on vous dit « Ah, quel salopard, il a trahi le peuple espagnol ». Ben non, il n'a pas trahi le peuple espagnol et... Ces télégrammes en sont la preuve, et c'est pour ça que je les ai publiés, en tout cas j'en ai beaucoup parlé. Blum a fait ce qu'il a pu, et en tout cas les Espagnols le lui disent. Et Blum n'a pas déclaré la guerre pour défendre l'Espagne, mais il a fait ce qu'il a pu dans le contexte qui a été le sien, et en tout cas les plus hautes autorités espagnoles en sont reconnaissantes. Et maintenant, voici deux chars. Ce sont des chars, des pompes funèbres, couverts de fleurs, mais des fleurs splendides, des fleurs immenses, des couronnes étonnantes. Et partout, le rouge domine, le rouge et le blanc de quelques lys. Arrive ensuite le corbillard, face à l'Assemblée nationale, suivi par les intimes de Léon Blum. Le fourgon mortuaire vient d'arriver et de s'immobiliser à une dizaine de mètres de l'obélisque. Les Parisiens se sont massés derrière des barrières. Les agents des pompes funèbres s'approchent. Les photographes, impitoyablement, font leur devoir. Derrière, des membres du service d'ordre socialiste, le bras gauche orné du brassard rouge, le service d'ordre organise une haie qui part de l'obélisque et arrive jusqu'au cénotaphe. Au pied du cénotaphe, une immense gerbe de fleurs, livrée par Winston Churchill. Voici que la bière est tiré du fourgon. Un fourgon très simple. D'ailleurs, ses obsèques ne sont pas ce que Blum aurait voulu qu'elles fussent. Il aimait tant la simplicité, il voulait des obsèques très simples. Mais le parti s'est refusé à ne pas lui donner la dernière marque d'affection. Et voici maintenant que 8 âmes portent le cercueil. Et maintenant, découvrons-nous. Léon Blum entre dans le catafalque, celui de sa dernière étape. Léon Blum, 1er avril 1946. Pour moi, je suis vieux et je ne toucherai pas à la terre promise. Je ne verrai pas l'union parfaite des peuples dans la justice et dans la paix. Je ne verrai pas les nations assises autour de leur foyer commun comme des sœurs autour de l'âtre. Mais ce qui fait la noblesse de l'homme, c'est de prévoir, c'est d'espérer, c'est d'anticiper, c'est de travailler à une œuvre qu'il ne contemplera pas achevée et dont il ne profitera pas lui-même. Pourquoi Léon Blum, après une vie si héroïque, a-t-il si peu de place dans notre mémoire nationale ? La réponse dans le dernier épisode. Léon Blum, une vie héroïque. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Lecture, Charles Berling et Bérangère Varluzel. Assistance éditoriale, Irène Menahem. Documentation sonore, Frédéric Martin et Romain Couturier. Reportage, Martine Abbat. Mixage, Benjamin Orgeret. Prochain épisode, l'héritage de Léon Blum.